Hello! Bonsoir tout le monde! Églou, églou, églou. Il est des nôtres, il a coulé comme les autres! Ouais, c'est le cas de le dire. Bonsoir, bonsoir Xiane, ça va bien? Bon, après avoir passé plusieurs semaines à chiller tranquillou sur Spyro, on va revenir sur une séquence de jeu un peu plus. J'ai pas envie de dire adulte, mais un peu plus complexe que juste Spyro, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'en fait, le vendredi soir, on va faire comme ça. En fait, on va faire des jeux. Une coup, on va faire un jeu bah, comme The Sinking City, hein, plutôt complexe et plus adulte en fait. Et après avoir fait ces séquences de jeux, on fera des jeux plus chill. Donc là, on avait fait Spyro 1. Alors, Spyro 2, j'envisage, comme je l'ai commencé, peut-être de le continuer. Des fois, on des lives sauvages un peu chill. Mais sinon, on reprendra un autre jeu. Je sais pas, peut-être un Crash Bandicoot. Voilà, des jeux un peu plus chill, un peu plus sympathiques. Voilà, où je regarderai ce que j'ai dans ma bibliothèque. De la même façon qu'on avait fait Abzu. Voilà. Faire des jeux, voilà, alterner des jeux un peu plus compliqués, complexes, on va dire, et des jeux un peu plus chill, voilà. C'est pas un jugement de valeur, hein, voilà, moins sombre. Voilà, c'est pas un jugement de valeur, hein, je veux dire, voilà, c'est moi de la même façon moi qui adore le cinéma, je peux me regarder un dessin animé et un film d'horreur, voilà. J'apprécie autant, d'ailleurs, cette année, en 2021, mes films préférés au cinéma, ça a été des dessins animés, quoi. Pareil avec deux dessins animés, un plus adulte et un vraiment enfant. Donc voilà, c'est pas du tout un jugement de valeur hein, de dire un jeu moins complexe. C'est juste pas le même genre de jeu, quoi. Et je pense qu'il y a de la place pour tout. Donc là, on va commencer une nouvelle partie. Alors, The Sinking City, je n'ai jamais joué et je n'ai jamais regardé personne streamer. Donc pour le coup, c'est totale découverte. Accueil glacial. Cher monsieur Charles Reed. À la suite de votre demande, j'ai étudié les crises d'hystérie et les visions qui se sont répandues dans la ville d'Oakmont, au Massachusetts. Vos hypothèses se révèlent exactes. Ces cas sont en effet plus fréquents ici. Des hommes et des femmes du pays tout entier sont attirés par Oakmont, hantés par des visions similaires aux vôtres. Une ville qui se noie et une présence formidable, bien qu'inconnue. Putain, j'avais mis chier dessus. Par chance, je pense avoir découvert la source de votre maladie ainsi que quelqu'un susceptible de vous aider. Venez à Oakmont dès que possible, je vous y retrouverai pour vous assister cordialement. Johannes van der Berg. Alors, le pouvoir réside dans le savoir gagné de l'XP pour obtenir des points de connaissance. Je veux bien que tu me remettes ce qu'il y avait avant. Il est possible de faire sauter un canard ou de briser des planches fragiles avec un coup de feu ou une attaque de mêlée. Les portes ne peuvent s'ouvrir que s'ils sont marqués d'un H. Un H. Le jeu sauvegarde automatiquement à des intervalles réguliers, mais vous pouvez également sauvegarder manuellement. Épinglez une preuve sur la carte pour marquer son emplacement supposé. Il y a plein d'indications. La ville d'Oakmont n'apparaît pas sur la plupart des cartes pour d'obscures raisons. En conséquence, très peu de secours sont arrivés à l'extérieur après l'inondation. Alors, on va commencer. Ouais, The Haunted Palace, il est cool. Oh là! Ah ouais, il faudrait que je vous montre aussi la lampe chouette que j'ai. Un petit sarlac, un petit ver des salles. Ah, putain, ils ont tous en mode zombie là. Ah, mais je crois qu'on va avoir peur. Après, moi, j'aime beaucoup Lovecraft. Attention quand je dis ça, je n'aime pas le personnage de Monsieur Lovecraft. Hein? Disons-le, c'était un raciste, un antisémite, il avait des problèmes avec les gens de la campagne, hein, voilà.
Par contre, ces univers, bien qu'ils soient aussi imprégnés de racisme, hein, faut pas se leurrer, hein, ça se, voilà, on le ressent. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces tentacules? Oh là là. L'univers glauque et malaisant qu'il décrit me plaît beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais qu'est-ce que tu fais, monsieur? Non 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 non, descends de là. Non 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 non, fais pas ça, monsieur. Oh, mais oh, genre de cauchemar, tu tournes en rond. Oh non, ça c'est atroce. Oh, c'est les pires des cauchemars. Navire, Charo. Ah bah il porte bien son nom, le navire. Alors, je vais découvrir les... Ouh là là, la fluidité. Ouh là là, ça va pas me plaire. Ok, ça c'est pour ma copie. Alors, carnet. Pas de carte, c'est bien. Inventaire. Alors, attaque mêlée, courir, carte, objet visé. Ça c'est la... Gardez des notes appuyées. Alors... L'écran carnet de notes contient l'affaire principale pour laquelle indique votre progression. Vous pouvez travailler sur plus d'une affaire annexe à la fois. Oula, pas trop en faire non plus à chaque fois. Ok, on va pas tout lire tout de suite. L'écran affaire contient des informations importantes pour les enquêtes, prenant la forme de preuves. Gna gna gna. Certaines preuves dotées d'icônes donnent des indices sur l'action effectuée. Dialogue, utiliser un objet, prendre une photo, chercher dans les archives, fouiller un lieu. Ok. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Son deck. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Oula. Sortez d'abord vos affaires de mon navire. Sortez d'abord vos affaires de mon navire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'espère que je n'aurai pas à m'en servir, mais quelque chose me dit que si. Ah. C'est peut-être ça, fallait peut-être que je prenne mon fusil, mon pistolet, ouais. Allez, dégagez de là. Voilà, il est sympa lui. Monsieur Charles Reed,
Quel plaisir de vous voir enfin. Ah, c'est le docteur Kaufman. Putain, faut pas déconner. Rentrez, monsieur. Johannes Vanderberg, à votre service. Je vous avais promis d'aller à votre rencontre dès votre arrivée. Ah, merci bien, monsieur Vanderberg. Je vois que vous prenez le mot « dès » très au sérieux. Je vous en prie, appelez-moi Johannes. Mais où sont mes manières ? Bienvenue dans la fière ville d'Oakmont. Oh mon dieu, mais ils ont tous les deux des tronches. Mais on est vraiment dans du Lovecraft, quoi. Venir jusqu'à Oakmont n'a pas été une partie de plaisir. La ville ne figure sur presque aucune carte et ce pauvre bateau délabré est le seul à naviguer jusqu'ici. Comment ça se fait ? Oakmont n'est pas un lieu ordinaire. Son emplacement géographique unique et l'inondation, une catastrophe naturelle récente, la rendent particulièrement difficile d'accès. Mais vous y êtes parvenu, monsieur Reed. Je suis sûr que les courants du destin vous auraient amené ici d'une manière ou d'une autre. Dites-moi plus au sujet de cette inondation. Ça a commencé il y a 6 mois. Les tempêtes ont fait rage pendant plusieurs semaines et le niveau de la mer n'a cessé de monter. À présent, la ville est coupée du continent. Je dois admettre qu'en dépit du côté peu pratique, ça me plaît beaucoup. L'ambiance, vous savez... Bah ouais, carrément. Vous m'aviez dit que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre mon problème. Les visions empirent. Les rêves d'une telle intensité ne sont guère rares ici, à Oakmont. Par chance, l'homme dont je vous ai parlé, Robert Throgmorton, se trouve déjà au port. Il a dédié de nombreuses heures de sa vie à l'étude de ce sujet. Malheureusement... J'ai bien peur qu'il ait des problèmes plus pressants en cet instant. Comment puis-je trouver Monsieur Throgmorton ? N'ayez crainte, vous ne pouvez pas le manquer. Throgmorton est assez... facile à reconnaître, dirons-nous. Pouvez-vous me parler de Monsieur Throgmorton ? Une remarquable créature. L'héritier d'une robuste lignée. Il est philanthrope, érudit et le mécène de la célèbre université d'Oakmont. Voilà. C'est un homme d'une grande ambition, uniquement surpassé par son ego. Ne le faites pas attendre. Je vais avoir besoin d'un endroit où dormir pendant mon séjour ici. Vous êtes du coin. Est-ce que vous auriez des recommandations ? Soyez tranquille, votre nid est déjà tout trouvé. Une chambre est réservée à votre nom au Devil's Reef Hotel. En voici la clé. Un nom très charmant. Carrément, je suis d'accord. La vie ne fait pas le moine, monsieur Reed. Quel est le meilleur moyen de se déplacer dans Oakmont ? J'aimerais déposer mes affaires à l'hôtel. Les habitants du coin ont tendance à circuler à pied ou en bateau. Dans votre cas, ce sera sur les flots. Une barque vous attend en dehors du port. Un grand merci à vous, Johannes. Vous pouvez m'indiquer la direction à prendre pour aller à l'hôtel ? Prenez cette carte. J'ai indiqué l'hôtel dessus, en plus de quelques autres lieux importants. Super, moi, les cartes. D'autres lieux ? Lesquels ? Vous êtes détective privé, n'est-ce pas ? Eh bien, j'ai notamment marqué le commissariat, les archives de la ville, les bureaux du journal local, là où la vérité vous attend. Cette ville est isolée, et ses mœurs sont mystérieuses. Personne ne viendra vous guider, alors c'est à vous de savoir comment trouver ce que vous cherchez. Où ça promet ? Comment occupez-vous vos journées, monsieur Vanderberg ? J'organise un club de philosophie pour les intellectuels partageant les mêmes idées. Récoltant les graines de la pensée comme les papillons de nuit tournent autour des flammes. Et c'est populaire comme domaine à Oakmont, la philosophie ? La conscience ne peut exister sans la douleur, monsieur Reed. Ouh là 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 là. Quand les temps sont durs, c'est là qu'on a le plus besoin de clarté. Eh bien, il me semble que c'est tout pour le moment. Merci, grâce à vous, je m'y retrouverai un peu mieux. Non, tout le plaisir. Oh, et avant que vous partiez, comment puis-je vous contacter ? Ne vous inquiétez pas pour ça. Je suis le genre d'homme qui trouve ce qu'il cherche. Alors... Le port... Devil Reef... Oakmont Chronicle, département de la police... Hôpital Sainte-May, l'asile... Ah, l'asile, parfait ! Bibliothèque de l'université, hôtel de ville... Ok... Repère de navigation...
Eh ben putain, ça c'est de la petite pieuvre. Je me fiche de vos excuses insignifiantes. Oula ! Personne ne quitte ce port tant qu'on n'a pas retrouvé mon fils. Fin de la discussion. Excusez-moi, vous êtes Robert Throgmorton ? Oui, mais je ne suis pas intéressé. Du ballet. Je m'appelle Charles Reed. Je suis détective privé, tout juste arrivé de Boston. Oh les consanguins ! Vous pourriez peut-être m'aider. Détective oh les macaques ! Vous dites ? Eh bien, peut-être qu'on peut s'aider l'un l'autre alors. Oh là là, mais comment dire un chimpanzé ? Si je peux vous le demander, qu'est-il arrivé à votre fils ? Qu'est-ce ah, c'est que vraiment le design entrepôt-simiesque, ça. Exactement, étranger. Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je suis détective privé. Trouver les gens, ça me connaît. Albert faisait partie d'une expédition en mer que j'ai financée. Cet abruti-là prétend qu'il a retrouvé Albert sur le rivage, à bord d'une chaloupe. Il dit qu'il était à peine conscient, fou, et qu'il racontait n'importe quoi dans une langue inconnue. Qu'il a même essayé de le mordre. Et vous ne le croyez pas ? De vraies foutaises. Je connais Albert. J'ai élevé je vois qu'on un a des nouveaux. Fort et intelligent. Un bonjour, homme au-dessus du lot. Bonjour. Ce n'était pas lui. La alors, disposition d'Albert est accommodée par ceux d'Innsmouth. Je vous Julie dis. Todd Boomer, bienvenue sur la chaîne. Alors vous pourrez pas interagir pendant une dizaine de minutes je pense, parce qu'on a mis une protection contre les trolls. Parce que bien qu'on soit une petite chaîne, on a eu des problèmes avec les trolls. Donc vous pourrez pas interagir pendant les dix prochaines minutes. Je vous prie de nous excuser pour ce petit désagrément, mais c'est une façon de nous protéger. Voilà. J'ai cru comprendre que vous étiez celui à qui parler au sujet des visions et des accès de folie. J'essaie de voir où tout ça peut mener. Un autre étranger, un autre problème. Je sais de quoi vous parlez. Puis-je vous poser quelques questions ? Vous ne manquez pas d'air. Mon fils Albert a disparu et personne dans ce trou envahi par les faces de poisson ne bouge le petit doigt. Mais non. Parlons donc de vos rêves. Je suppose que vous n'appréciez pas particulièrement ces gens d'Innsmouth dont vous parlez. Ces faces de poisson ont envahi Oakmont depuis que la police a réduit Innsmouth en cendres. Et maintenant, ces réfugiés visqueux occupent la moitié de la ville. Le port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, les Shells, ils sont partout. Ce sont donc de simples réfugiés ? Pas du tout. Ils prennent le travail des pêcheurs du coin. Tiens, ça me rappelle ils quelque chose. Ils sèment la discorde et s'en prennent à nous. La famille Throgmorton est un pilier de cette communauté. Sans parler de la criminalité qui ne fait que monter en flèche. Ah bah tiens, il me rappelle quelqu'un dans son discours, lui. Voilà ce qu'ils sont. On va pas lui faire remarquer qu'il ressemble à un macaque. J'ai un don pour retrouver les gens disparus. Je trouverai Albert. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous y arriverez ? Oakmont n'est pas vraiment du genre à accueillir les étrangers à bras ouverts. Disons simplement que j'ai l'œil pour voir ce qui échappe aux autres. Et puis, qu'avez-vous à y perdre ? On dirait bien que tous les coups de main sont les bienvenus. Vera, vous n'avez pas tort, étranger. Voilà, mais il faut pas faire des pseudos si longs allure, hein, Julie Todd the Boomer. Surtout qu'en plus, vu que je suis sur la PlayStation, le truc est assez petit à lire, donc c'est pas facile. Alors... Pardon, avez-vous dit Vera ? On va continuer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez intérêt à vous habituer au jargon d'Oakmont, étranger. Il s'agit d'un mélange fascinant. J'espère que t'as pas été trop dérangé enfin, si par le petit moment où tu pouvais pas te chatter, parce que, ben, hélas...
En l'occurrence, marché conclu. Je vois. On se protège un petit peu. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé, Albert. Troc, êtes-vous donc sourd ? Je vous ai déjà tout dit. Après l'expédition, Albert a été retrouvé sur le rivage à bord d'une chaloupe. Ce pêcheur prétend l'avoir amené à sa maison pour m'appeler ensuite. Tu streames aussi, Julie ? Tu permets que je t'appelle Julie ou Julito ? Tu préfères quoi ? Autre chose ? De toute évidence, un malheur s'est produit. Tu streames quoi, toi, habituellement ? Je vous suggère d'arrêter de vous tourner les pouces et de vous y rendre vous-même. Où est la maison où tout ceci s'est produit ? Parquet. Je croyais que vous étiez un détective. Vous avez parlé d'une chaloupe. Est-elle encore sur place ? Oui. Allez devant la maison, puis prenez à gauche. Vous tomberez sur une plage qui longe une barrière. Elle se trouve là-bas. Le temps ici est fort agréable, monsieur Throgmorton, mais je dois commencer. Il a de l'humour. Trouvez mon fils étranger et dépêchez-vous. Ouais, Uncharted, je pense que je finirai par le faire un jour. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Ne faites rien de stupide, étranger. Et gardez vos mains là où je peux les voir. Il va être sympa. Ah bah Spyro, pour nous c'était la semaine passée. Que mes instructions sont claires. Je stream tous les vendredis et j'ai déjà fait le Spyro 1 la semaine passée. R3 pour la lampe de poche, ok. On a fini le Spyro 1 la semaine passée, donc maintenant on enquille sur un jeu un peu plus dark, on va dire. Ok, je peux allumer la lampe comme ça. Et puis, miam, c'est glauque. Et puis, alors les Uncharted, j'avais dû commencer à en faire un il y a longtemps, je pense le premier. Mais je streamais pas à l'époque, donc je pense qu'on les refera en stream un de ces quatre. Ouh. On reconnaît à peine le visage du pauvre bougre. Le responsable, c'est vraiment. Alors, j'avais bien aimé, mais les super. On reconnaît à peine le visage du pauvre bougre. Le responsable, c'est vraiment déchaîné. Mais les séquences de. Enfin. Pourquoi ça devient noir et blanc ? Oh là là. Bonjour. Les séquences de shoot, moi ça me saoule un peu là où faut tuer 250 mètres égal à queue-leu. Qui êtes-vous ? Vous êtes avec la police ? Je vous ai déjà tout dit. Tout va bien. Je suis Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a chargé de retrouver son fils. Oh. Ok. Une Team Spyro, faut pas exagérer. J'ai un peu de problème de repérage dans l'espace, donc je suis pas hyper doué pour toutes les séquences de vol dans Spyro. Je veux savoir ce qui est arrivé ici, en détail. Mais j'aime beaucoup. Je me souviens pas trop. Paul Lewis et moi, on était ici. C'est notre maison. Barry était dehors. Il s'occupait de son truc. Puis il est revenu avec le fils de Throgmorton sur les épaules. Il était inconscient et respirait à peine. Barry est reparti pour appeler M. Robert. Et après ? On l'a mis dans la chambre de Lewis. Il a commencé à faire des bruits d'aimant et... Parquet ! Ma tête a explosé. Ensuite, il s'est réveillé et...
Après ça, je me souviens plus de rien. Juste des rêves. Les rues submergées, un géant endormi, une voix qui m'appelait. Ah. Ça me dit quelque chose. Parlez-moi de vous. Moi, c'est Will. Will Hammond. Je suis pêcheur, comme les autres. Et on vit ici tous ensemble. Barry, le pauvre Paul, et celui d'Innsmouth, Lewis Flynn. On a emménagé ici après l'inondation. Je travaillais dans les chemins de fer, mais les trains ne circulent plus, alors je me suis tourné vers la pêche. C'était ça ou la famine. Tu m'excuses, Julito, mais comme j'écoute un petit peu ce qu'ils disent, parce que comme ça a l'air d'être un peu des enquêtes, faut que j'écoute un peu ce qu'ils disent. Où sont tous les autres gars? Celui-là au sol, c'est Paul. Que Kai soit avec lui. Barry est dehors avec Monsieur Throgmorton. Ce chansard a tout raté. J'ai aucune idée d'où Lewis et le fils Throgmorton ont pu aller. Je commence à craindre le pire. Savez-vous comment Paul est mort? Je sais pas. Quand j'ai repris mes esprits, il était déjà parti. Que Kay bénisse son âme. Qui est ce Kay dont vous parlez sans cesse? Un peu de respect, étranger. Kay est notre seigneur, notre lumière, notre amour. Excusez-moi, je ne savais pas. Bah après, c'est chacun sa sensibilité, que ce soit Uncharted ou Tomb Raider, tu vois, Xian. Y a pas, je pense qu'il n'y a pas de meilleur jeu, il y a juste la sensibilité qui fait que tu préfères l'un ou l'autre. Dans vous le détail, bah, je sais pas trop. Prenez soin de vous, Will. Je vous en prie, monsieur le détective. Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est moi? Je ne peux pas encore vous le dire, Will. La police arrête tous ceux qui veulent entrer. J'ai peur de ce que je... Une confrontation violente a eu lieu ici. Mais quelqu'un a tenté de fuir. Il faudrait sérieusement forcer pour bouger ce truc-là. Alors pour le renverser comme ça... Il faudrait sérieusement forcer pour bouger ce truc-là. Alors pour le renverser comme ça... Chou-chou. Ça va, il s'éclate le gars. Morceau de métal, ça nous aide vachement. Manquait que 5 cartes pour un full house. Ça nous aide pas les masses. Marrant. Je m'attendais à voir la photo d'un type collé sur la cible. On dirait que la prohibition n'a pas trop affecté Oakmont. Jamais vu un couteau comme ça. Un vrai chef-d'œuvre. Alors moi, je m'y connais rien en cartes. Je sais pas jouer aux cartes. J'ai pas compris. L'œil des esprits. Alors attends.
comprends pas bien. Je pense qu'il faut que je trouve quelque chose, mais je sais pas quoi. Ah putain, je suis en train de faire des cauchemars là sur le côté, c'est quoi ça? Ok, il y a quelque chose que j'ai pas suivi là. Utilisez la. Enlever toute scène. Aha. Sgrein in reg reingeb, reinglüh naftagne. Oh là 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 là. Reconstitution vous permet de mieux comprendre les événements du passé. Examinez un nombre suffisant de preuves sur une scène et une vision s'offrira à vous. Franchissez son seuil pour découvrir les. Ordre chronologique pour obtenir une nouvelle preuve. De singe. Voilà, il y a eu de la bagarre. C'est ça, cours. Rater des trucs. J'ai dû rater des trucs. Qu'on est ici. Alors, il nous l'a joué lévitation, puis il a quitté la pièce. Non. Prends sa face de singe. Ah, oui. Ah ok, je peux mettre des numéros sur les scènes. Alors, qu'est-ce attends, qui m'arrive ? Ça a plutôt l'air d'être ça, hein ? Bah merci d'être passé. Qu'est-ce en tout cas, puis au plaisir de te revoir. Prends sa face de singe. Là il y a eu une bagarre. Bizarre, cours. Quand Albert Throgmorton s'est réveillé, il n'était pas lui-même. Il s'en est pris aux pêcheurs et sa folie les a contaminés. Bah avec plaisir en tout cas. À bientôt, passe une bonne soirée et un bon week-end.
Palais de la mémoire. Plusieurs preuves pertinentes pour obtenir. Des preuves qui contiennent des informations cruciales pour chaque affaire. Palais de la mémoire. Hop. Voilà, ça, on va réfléchir le vendredi soir. Et il fait quoi là? Ma tête. J'entends encore les voix. Albert est un pêcheur nommé Lewis. Présage révélateur. Voyons un peu ce que l'étranger va trouver. Il faudrait sérieusement forcer pour bouger ce truc-là. Alors pour le renverser comme ça. Une confrontation violente a eu lieu ici. Mais quelqu'un a tenté de fuir. J'ai pas compris encore avec le présage. Donc le pêcheur a pourchassé Albert. Il lui a même tiré dessus plusieurs fois. Ouais.
C'est tellement glauque. De l'alcool, ok. Poudre à canon, alcool. Il y avait des choses. Il y a quelque chose dans la poche. Note tachée de sang. Lewis, je t'en prie, il me faut juste une semaine de plus. Je sais que je te dois de l'argent. Mais j'ai la tête sous l'eau comme tout le monde pour le moment. C'est une façon de le dire. Je n'ai pas assez de stock pour gérer mon bar en douceur avec les flics qui patrouillent dans le port. Mais ne t'en fais pas, j'ai conclu une jolie petite affaire avec des bonnes personnes et je devrais avoir un revenu stable d'ici peu. Il me faut juste une semaine et je te rendrai tout avec les intérêts en double, Peter. Le sang est frais. Le blessé n'a pas pu aller bien loin. Porte refuse de bouger. Poudre à canon, ressort, cartouche. Ah. Non, non, la prise en main est pas simple. La porte refuse de bouger. Ouais, et comment je prends le flingue ? Je comprends pas comment je prends le flingue en fait. Refuse de bouger. Oh merde. Mon Dieu, c'est quoi ça? Mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Le sang est frais. Le blessé n'a pas pu aller bien loin. C'est une espèce de poulpe mutant qui vient de m'attaquer, là! Une balle en plein milieu du front. Ce n'était pas un accident. Le tir était calculé. Une balle en plein milieu du front. Ce n'était pas un accident. Ah oui, ça c'est calculé. Le Albert, il ressemble à un singe comme son père, palais de la mémoire. Alors.
Alors attends, le barman. Et oui, c'est si dismo, ça a été mal fait. Ok. Putain, c'est un morceau de cachalot, ça. Lewis, l'homme d'Ismos qui a tué, se cache peut-être au bar. Ok. Pourquoi l'image, elle se déforme? Une balle en plein milieu du front. Ce n'était pas un accident, le tir était calculé. Mon Dieu, j'ai eu peur! Je vais monter à l'étage, voir si je trouve des trucs. Ah, bah non, je peux pas de toute façon. Récupérer. Alors le bar, il faudrait. Il m'a dit l'autre là. Le port est fermé sur ordre de Robert Throgmorton. Reculez. Ok.
Je vais galérer à me repérer dans le jeu. Quoi, ça, c'est un chat? Ouais. Monsieur Throgmorton, j'ai de terribles nouvelles. Oh non. J'ai trouvé votre fils au sous-sol d'un entrepôt proche d'ici. Je suis désolé, mais il a été assassiné. Le corps était caché et il avait une balle en pleine tête. Non. Non. Non, je n'y crois pas. C'est impossible. Non. Toutes mes condoléances, monsieur Throgmorton. J'avais espéré trouver autre chose. Mon pauvre Albert. Notre sang a tant coulé, et en vain. Pour rien. Vos condoléances ne le ramèneront pas à la vie. Dites-moi qui l'a tué. Je veux le regarder dans les yeux, qu'il me supplie de l'épargner. Je ne sais pas encore exactement. J'ai plusieurs suspects, mais une enquête approfondie s'impose. Le genre être minutieux. Quand je l'aurai retrouvé, je vous le dirai. Personne ne quitte le port jusque-là. Trouvez-moi cette ordure, et je vous aiderai par tous les moyens. J'ai déjà dit tout ce que je sais. Ne faites rien de stupide, étranger. Et gardez vos mains là où je peux les voir. Je peux pas y aller là. Je comprends pas. C'est quoi 1, 2, 3? Je comprends pas trop. Il y a la barque, là. Eh bien, Titania, où est ton Oberon ? Testament d'Albert Throgmorton. J'espère que quelqu'un trouvera ceci. Mon nom est Albert Throgmorton et ce papier est mon testament. Écoutez mon avertissement. Ne vous rendez pas dans les profondeurs sous Oakmonde. Non, mais on t'inquiète, on n'a pas envie d'y aller. Il y a illisible et nous n'aurions jamais dû agir ainsi. Tout aurait dû rester dans cette grotte. Professeur, avec un E à la fin, donc très certainement une dame, illisible. Je redoute mon propre sort. Quelque chose chante dans ma tête. Elle danse sur mes paupières chaque fois que je ferme les yeux, illisible. Le cycle continue encore et toujours illisible à la fin. Il arrivera. Je dois prévenir tout le monde. Je dois dire à mon père que il est là. Pas possible d'attraper un seul maquereau depuis que ce Dinsmousse s'occupe de la pêche. Ça vous plaît ici, étranger? Eh ben... va falloir s'y habituer. Personne ne quitte Oakmont de nos jours.
Je sais nager, c'est pas mal ça. Ce casque me donne la chair de poule. Quelle est cette substance, bon sang ? Ce casque me donne la chair de poule. Tiens, il marque quand toutes les preuves ont été... Je vais peut-être retourner... Mais il y a des requins, des machins, c'est dégueulasse. Allez, dégagez de là. Il est charmant, lui. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. J'arrive pas à savoir en fait si j'ai tout récupéré ou pas en fait. J'arrive pas à comprendre s'il faut que je fasse quelque chose ou pas. Faut que tu dises que je pense que c'est Lewis. Cartouche. Le livre est humide et abîmé, mais on en prend clairement soin. Bah, c'est bien ce que je suis en train de faire. Ce tapis pour chien a l'air plus confortable que le lit du maître. Il y avait un livre, où ça ? Là, le oui. Livre est humide et abîmé, mais on en prend clairement soin. T'en as vu un autre endroit ? Non mais en vrai, qui a envie de bouffer ces poissons-là, quoi ? Il faudrait sérieusement forcer pour bouger ce truc-là. Oui, un peu, c'est l'étranger va trouver. Ma tête ! J'entends encore les voix. Chou-chou !
On reconnaît à peine le visage du pauvre bougre. Le responsable s'est vraiment déchaîné. Jamais vu un couteau comme ça. Un vrai chef-d'œuvre. On dirait que la prohibition n'a pas trop affecté Oakmont. Voilà donc à quoi ressemble ce Dinsmousse. Ah ah. Dites-moi ce que tu veux, ben, un cache peut-être au bar, ouais. Ok. Bon bah je vais aller dire à machin que je pense que c'est Lewis, et puis on va voir ce qui se passe. Monsieur Throgmorton, j'ai trouvé ceci dans la chaloupe. Je crois que c'est le testament de votre fils. Donnez-moi ça. Immédiatement. Oh, mon pauvre garçon. Qu'as-tu donc fait? Si seulement je ne t'avais pas envoyé dans cette maudite expédition. Monsieur Throgmorton, je suis tombé sur des... Quoi? Je n'ai pas toute la journée. Sur des créatures étranges dans les parages. Et elles n'étaient pas vraiment amicales. Vous avez croisé ce qu'on appelle une malbête, monsieur Reed. Je suis étonné de vous voir toujours en vie. Elles sont apparues après l'inondation. J'ai financé quelques études sur elles. Mais nous n'en savons guère plus. Ce sont des bêtes violentes qui, fort heureusement, ne sont pas insensibles aux balles. Ouais, j'ai vu ça de mes propres yeux. Essayez de les éviter autant que possible. Faute de quoi... Gardez bien le doigt sur la détente. Au revoir. Il me semble que mes instructions sont claires. Il me semble que mes instructions... Ok, sauf que j'ai pas compris où faut que j'aille voir... C'est quoi ? D'accord, donc c'est ça, c'est moi qui l'avais placé. Ok. Si on sont claires. Mm-hmm.
Venez donc, étranger. Honorez la mer avec nous. Venez donc, étranger. Honorez la mer. Il doit bien me manquer quelque chose sur l'autre navire, là, le charron. Sinon, ça serait tout vert. Parce que j'ai vraiment envie d'aller dans l'eau. Non. Mais les balles du pistolet... J'ai pas compris, Xian, de quoi qu'il faut que je fasse. Allez, dégagez de là. Ne jamais faire confiance aux brochures de tourisme. Je comprends pas c'est quoi ça. Sur le charron, tu as pas des balles pour ton pistolet? Bah, c'est justement ce que je suis en train de chercher. Je regarde, hein. Ah, punaise, je trouve déjà plus ce que je voulais faire. Je comprends pas. Je trouve déjà plus comment on fait la roue comme ça. Ça c'est trousse médicale, ça je sais pas ce que c'est. D'accord. Ok, je commence à comprendre certaines choses. Mais le bar il est où là? Et je comprends pas c'est quoi les petits numéros là.
Putain, c'est vrai que le sac à dos du gars, il est énorme, quoi. On dirait un petit sixième qui va à l'école, quoi. Il me semble que mes instructions sont claires. Et l'encre sur la map, quelle encre ? Oui, bah c'est là où il y a les flics tout à l'heure qui m'ont dit qu'on passait pas sur ordre de Monsieur Morton là. Ah. Ah, attends. Je vais réussir à me mettre bloqué. Sur le panneau en fait de quoi? Ok. Ah, barre, ok. Vous auriez pas une balle en trop, l'ami? Ça fait des jours que j'ai pas mangé. Oh mon dieu. Je vais rater la distribution de rations des Carpenters avec cette foutue fermeture du port. Bienvenue dans mon bistrot. Vous prenez quoi? On verra après, Diane. Lewis Flynn. Vous savez s'il est dans les parages? Même si je le savais, je dirais rien à un étranger. Figurez-vous que je suis au courant de la dette que vous devez à Monsieur Flynn. Le souci, c'est que j'ai trouvé votre message près du corps d'Albert Throgmorton, le fils de Robert. On dirait bien que Lewis a des problèmes, donc. Peut-être même qu'il est venu ici pour se cacher. Mais si vous me le confiez, vous n'aurez pas honoré votre dette, vous comprenez? Drock. Alors le sang, c'était... Bon, d'accord. Si ça me sort de ce bourbier, vous pouvez l'emmener. Alors? Il est en haut. Tenez, la clé. Faut me promettre de lui régler son compte une fois pour toutes. Mais pas de fusillade dans mon bar, pigé. Sage décision. Vous avez fait votre bonne action du jour. J'ai aperçu des créatures plutôt troublantes dans le coin. Jamais rien vu de pareil. C'est quoi ces monstres? Alors, vous avez vu une malbête, étranger? Personne ne sait ce qu'elles sont exactement, mais estimez-vous heureux d'être encore en vie. Elles sont arrivées avec l'inondation. Il y en a qui disent qu'elles viennent de la mer et d'autres qu'elles ont été envoyées par Kay pour nous punir. Jameson, qu'est-ce ouais. que vous dites, vous? Si elles saignent... Alors, on peut les crever. Gardez votre arme à portée de main.
Et si vous préférez les oublier, ma foi, j'ai le remède idéal juste ici. Souvenez-vous, mieux vaut vivre dans la lâcheté que mourir avec courage. Sauf si on est un étranger. Au revoir. Arrêtez ça! Approche. Approche donc, âme perdue. Laisse-moi révéler ce que le futur te réserve. Vous êtes une sorte de voyante? Oui, mon cher, oui. Oh, c'est si clair. Ton avenir regorge de surprises, étranger. Tu m'en diras tant. Ça me paraît assez obscur comme prédiction, vous ne pensez pas? Je vois beaucoup de choses, mon garçon. Et je consentirai à te les révéler, pour une petite somme. Ok, combien? $1 Ton argent n'a aucune valeur ici, étranger. Depuis l'inondation, les gens d'Oakmont payent avec ce qui sert. De l'alcool, des cigarettes et des munitions. Tiens, je vais même te faciliter la tâche. Je ne fume pas. Peut-être une autre fois. Comme tu veux. Ouais, t'es gentille une balle, avec les malbêtes qui se baladent, là. Mais bordel de... Putain, y'en a, ils sont pas frais, hein. Hé, hey, qui êtes-vous? Oula. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est un blob. Charles Reed, détective privé. Monsieur Throgmorton m'a engagé pour retrouver son fils, Albert. Je pense donc que vous savez ce que je fais ici. Drock, ce foutu barman. Putain. Tout ça, c'est de la faute de ce singe fou. Vous m'entendez? On se calme. Je veux juste discuter, du moins pour l'instant. Mais attention, si vous essayez de sortir votre arme, vous finirez par terre en un clin d'œil. J'ai rien à cacher. On commence par le début. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans notre maison. Putain, Paul, Will et moi. On dirait un poisson entre l'autre qui ressemble à un macaque et lui qui ressemble si à un poisson blob là. Ça ferait que porter malheur. S'il m'avait écouté, on serait tous encore en vie. Allez, Lewis, concentrez-vous. Bon. Barry a traîné ce foutu primate jusque chez nous. L'arrêtez pas de dire que Monsieur Throgmorton nous filerait un pactole pour avoir sauvé son fils. Mais le singe, l'était inconscient. Puis il s'est réveillé en un instant et s'est mis à hurler, à nous attaquer. Après ça, je me souviens de rien. Vous avez tiré pour tuer. Pas de coup de semonce, rien. Vous avez pourchassé Albert, même quand il a pris la fuite. Pourquoi? Je m'en souviens pas. Quand il s'est réveillé, c'était comme si je voyais plus que du sang. La première chose qui me revient à l'esprit après ça, c'est ce foutu entrepôt. Et moi, couvert de sang. J'avais aucune idée de ce qui s'était passé, mais je me doutais que ce singe avait quelque chose à y faire, et j'avais raison. Quel genre de... Pourquoi votre... votre visage? Oh, alors vous êtes venu pour vous en prendre à moi juste parce que j'ai l'air différent. On veut me cracher dessus, en parler à ses amis. Encore un autre? Non, je suis désolé. Je ne savais pas comment vous poser la question, c'est tout. Je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous. Ce n'était pas méchant. Les gens d'Innsmouth ont été bénis par la mer. Vous allez en voir beaucoup par ici. Alors mieux vaut vous y habituer. Nous sommes fiers de notre identité. Mm-hmm. La terre et la mer. Il paraît qu'il y a, comme qui dirait, une querelle entre les gens d'Innsmouth et les Throgmorton. Vous voulez m'en dire plus? Ces singes nous détestent depuis le moment de notre arrivée à Oakmont. Notre foyer a été détruit. Il nous fallait juste un endroit où loger. La grande famille Blackwood nous a hébergés, mais les autres ont à peine bougé le petit doigt. On avait besoin de travail et de médicaments. La ville nous a privés de tout. Et alors? On a dû se battre pour chaque morceau de pain.
Et ces Throgmorton, dans leur grand château, ont fait que nous mettre des bâtons dans les roues. Toujours à manigancer dans notre dos, à retourner les gens contre nous. Comme j'aimerais les voir souffrir autant que nous. Vous avez parlé d'une grande famille. Qu'est-ce que c'est ? Alors comme ça, c'est un étranger, hein ? Ça explique tout. C'est ça. Un étranger armé. Répondez à la question. Ok, ok. Pour les gens du coin, tout est question de lignée, de tradition et de réputation. Les grandes familles, c'est comme ça qu'on appelle les chefs d'Oakmont. Il y a les Carpenter, qui contrôlent la majorité du monde criminel de la ville. Les Blackwood, qui sont apparentés à ceux d'Innsmouth, par la famille Marsh. Et laissez-moi deviner, les Throgmorton. C'est ça, les foutus primates. Et maintenant que la plupart des Blackwood ont disparu, il reste plus personne pour nous protéger, nous, les gens d'Innsmouth. Ce que vous avez fait à Albert ne ressemble pas à un accès de folie. Un tir fatal en pleine tête, le corps dissimulé. On pourrait presque se dire que c'était calculé. Je sais pas quoi dire, j'étais pas moi-même. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Pitié, monsieur Reed, me dénoncez pas à Throgmorton. Je sais que j'ai aucun droit de demander ça, mais je voulais pas faire ce que j'ai fait, je jure. Je vous en supplie, j'ai une famille. Sans moi, ils mourront de faim. Ce n'est pas une décision à prendre à l'emporte-pièce. Je dois y réfléchir. Je peux peut-être vous offrir un petit quelque chose pour vous motiver. Il me reste quelques balles. Vous pensez que vous êtes le premier homme à essayer de me soudoyer ? Pitié, monsieur Reed. N'abusez pas de ma patience, monsieur Flynn. Mm-hmm. L'influence psychique ou non, Lewis avait l'intention de... Il avait même un mobile. Pitié, je vous ai dit la vérité, je le jure. Oh ben tu l'as quand même tué le gars, t'es gentil Coco, hein. Passe des choses bizarres, hein. C'est spé, ouais. Okay. Mais bordel de... Je sais pas ce que c'est, ça. C'est de la bouffe. On peut essayer de donner au mec dehors, comme t'as dit. Vous auriez pas une balle en trop, l'ami ? Ça fait des jours que j'ai pas mangé. Bah ouais, mais est-ce que c'est simplement parce que j'ai pas mis les preuves dans le bon ordre ? Parce que tu vois, j'ai pas l'impression que je peux les... Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que j'ai tout, quoi.
Je peux placer les repères. Je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce qu'on fait? On lui ment? Qu'est-ce qu'on fait, Xian? On lui ment? On sauve l'homme poisson? Ou on balance le poisson au macaque? La question, c'est qui on se met dans la poche, les Throckmorton ou les gens d'Innsmouth? Et qui on se met comme ennemi? J'entends à mes consciences, mais j'ai pas d'âme, je suis pas baptisée. Je sais pas. Bon, on va répondre qu'il est au bar. Comme je le soupçonnais, Lewis Dinsmouth est celui qui a tué votre fils. Il se cache dans le bar du coin. Il vous suffit d'aller voir le barman. On dirait qu'il avait un compte à régler avec votre famille et qu'il s'est déchaîné sur Albert. Cette pourriture ne s'en sortira pas si facilement. La ville tout entière verra ce qui arrive à ceux qui s'en prennent aux Throckmorton. La justice, si amère soit-elle, sera rendue. Il est rare de voir un étranger se rendre aussi utile que vous. Merci. Monsieur Throckmorton, pardonnez-moi de vous presser, mais pensez-vous être en mesure de m'aider à présent? Oui, vous l'avez bien mérité. Parkay. Un étranger à peine descendu du bateau qui parvient à résoudre un crime avant la police elle-même. Mais je m'égare. Rafraîchissez-moi la mémoire. Qu'est-ce qui vous amène à Oakmont? Je pense que je perds la raison, Monsieur Throckmorton. Je vois des choses, des visions, et il faut que ça cesse. Quelque chose m'a attiré, m'a guidé ici. Je ne sais pas, mais je crois que la source de cette folie se trouve ici, à Oakmont. Et vous n'avez pas tort, Monsieur Reed. Une hystérie inexplicable s'est répandue dans Oakmont après l'inondation. J'ai moi-même financé une expédition chargée d'enquêter sur des mouvements géologiques récents qui pourraient en être la cause. Une expédition géologique? Je ne suis pas sûr de voir le rapport. Il m'est avis que l'inondation et cette folie sont issues de la même source, en haut comme en bas. J'ai donc envoyé des hommes pour examiner cela. Vous avez parlé de l'inondation. Vous pensez que c'est plus qu'une simple catastrophe naturelle? Vous n'étiez pas là, Monsieur Reed. Ce qui est arrivé
défier toute logique scientifique. C'est tellement Lovecraftien, ça. Ceux qui souffrent d'hystérie partagent-ils les mêmes visions, eux aussi? Depuis l'inondation, de nombreux habitants d'Oakmont sont hantés de cauchemars similaires. La professeure Dao, qui mène mon expédition, en a elle-même souffert. Des ruines submergées à l'architecture étrange. Un géant endormi. Des rues inondées. Une voix appelant depuis les profondeurs. Exactement ce qu'elle disait. C'est elle qui a proposé l'expédition. Désespérée. Et c'est elle dont parlait le testament de du Albert, là. L'expédition est-elle parvenue à trouver quoi que ce soit? Je l'ignore. Albert, en fait, en faisait partie. Sa mort ne peut être une coïncidence. Pourquoi était-il seul au port? Où sont les autres? Les autres, ils sont glouglou. Vous pensez que votre fils a été tué à cause d'une découverte de l'expédition? Est-ce si invraisemblable? Aucune nouvelle pendant une semaine. Puis Albert, le seul à qui je pouvais faire confiance, refait surface et finit assassiné. Certes, c'est assez louche. Monsieur Reed, je compte sur vous pour découvrir la vérité. Il me semble que les trouvailles potentielles de l'expédition vous intéressent autant que moi. Si je vais mener l'enquête, je dois en savoir plus. Par où devrais-je commencer? Je vais vous donner l'adresse du QG de l'expédition. Et une clé. C'est tout? Vous n'avez rien d'autre? Soyons clairs, Reed. Personne ne m'adresse la parole sur ce ton. Pardon, monsieur Throgmorton, je voulais juste... Enfin, plus j'en sais, mieux l'enquête se portera. J'ai beaucoup à faire. J'ai financé la recherche. Mais j'ai délégué tous les préparatifs à Albert et à la professeure Dao. Venez me rendre visite au manoir Throgmorton quand vous aurez terminé. Il se situe à Old Grove. Tenez, je vais vous montrer. Qu'en est-il de mes dépôts? Tout sera remboursé une fois votre tâche accomplie. Et bien entendu, vous méritez une rémunération pour le travail que vous avez fait ici, au port. J'inclurai également une avance raisonnable en munitions. En munitions? Le dollar n'a plus cours ici, monsieur Reed. Après l'inondation, Oakmont s'est tourné vers le troc. Les munitions ont plus de valeur que les billets. Oui, avec les malbêtes qui traînent. Wouhou! Eh ben, je pense qu'on s'est pas trop mal démerdé jusqu'à présent, hein, au final. Alors là, je pense qu'on va pouvoir passer. Là, il y a le bar. On va pouvoir passer maintenant que c'est ouvert. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Alors, comment on fait pour sauvegarder? Option, sauvegarder. Je pense que ça a sauvegardé tout seul, hein, de toute façon. Voilà, parce que je pense qu'on a fini la première enquête. Hein. Ça fait quand même 1h40 qu'on joue. On va pas se lancer dans une deuxième enquête, parce que sinon, la semaine prochaine, je vais oublier. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce début. Oh, mini Clio, j'allais arrêter! T'arrives à la fin! Oh, je suis désolée, mini Clio! Tu pourras regarder le replay. Franchement, c'était super... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. On reprendra... On reprendra vendredi prochain. Je suis désolée, mini Clio! Oh, ça me fait de la peine que t'arrives quand je dis au revoir. Putain. Bon, t'arrives tard. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Je pense que c'est parce que t'as mangé et que t'as été occupé. Et puis, bah, je vais te souhaiter un bon week-end quand même, mini Clio. Telle mère, telle fille, c'est ça? Bon bah en tout cas mini Clio, on se retrouve peut-être dimanche, soit peut-être moi je vais peut-être chiller, soit la Blairel jouera, je sais pas. Peut-être dimanche pour le dimanche survie ou le dimanche chill, on verra.
Sur ce, je te souhaite un bon week-end. Et puis à bientôt. Et n'hésite pas à regarder le replay, tu vas voir, c'était vraiment pas mal. C'était un peu spé, mais c'était pas mal. Bonne soirée, bye bye.